parler variété de chinois. Et Dieu m'avait demandé de venir en Gassidja pour faire le même travail. Quand je suis arrivé, en fait, je me suis rendu compte que le Shingarja, je ne connaissais pas du tout. Donc, je me suis mis donc, à travailler cette langue-là, à l'étudier, donc à faire des recueils, donc, tout ça, et puis d'essayer de travailler sur les textes que j'ai recueillis. Et bon, avec ça, bon, petit à petit, évidemment, quand on recueille des textes, bon, on prend les mots, on les classe, etc. etc. Bon. Donc, j'ai commencé donc, un dictionnaire de Chinasicha, ça fait déjà donc, depuis 96, ça fait combien d'années, ça, je ne sais plus. 25. Ça fait 35 ans. 25 ans. Et ce travail-là continue toujours. Je n'ai pas encore arrêté. Donc j'ai toujours des mots, bon, toujours des mots nouveaux que je prends. Au fur et à mesure, ça s'étoffe. Donc là, je suis actuellement à peu près à peu près 18 à 19 000 mots, quoi. Du Comorien en général. Et puis, bon, ensuite en 2013, bon, ça c'est un truc personnel, bon, je suis tombé malade. Et je me suis dit que, bon, à défaut de pouvoir sortir le gros dictionnaire, peut-être, bon, je vais relever quelques éléments pour faire un petit dictionnaire peut-être un peu plus basique. Et que j'ai pu au moins sortir ça. Et ça a commencé donc, c'était en 2013. Et puis, petit à petit, je me suis dit que bon, se limiter uniquement à ça, aux mots comme ça, il fallait donc le traduire en français. Je me suis dit que bon, pourquoi ne pas mettre les autres langues officielles, comme ici. Notamment, bon, donc finalement, donc, j'ai travaillé, j'ai donné les mots avec les traductions en français. En arabe et puis on a rajouté l'anglais. Et puis je me suis dit que bon, peut-être que ce travail ça peut aussi intéresser les jeunes. Donc j'ai cherché donc un illustrateur, bon, qui est maintenant mon illustrateur qui est malgache, qui me fait les dessins. Et puis voilà, ça a donné à peu près ce travail-là. Évidemment, je ne suis pas le seul. Je suis, bon, c'est moi qui porte le nom, mais en fait, c'est un travail collectif. Hein. J'ai sollicité quand même beaucoup de personnes, notamment pour la vérification de certains mots, etc. Parce que, bon, l'arabe, c'est vrai, je connais un peu, mais pas suffisamment.